I have now the great pleasure to introduce our next guest, Claude Baron, and his manifesto. Claude Baron is an architect, author, and polemicist, known for many things. One of the very famous things is actually that he founded with Paul Virilio the fonction oblique theory. He also worked briefly for Le Corbusier and went then on to train many famous architects. Jean Nouvel worked early on for him. And this idea of Claude Baron having influenced generations of architects and artists, not only architects but also artists, is very important. So if it's Jean Nouvel, also in a younger generation, François Roche, they all consider him to be their hero. So do visual artists like Philippe Pareno or Pierre Wieck, who have always been hugely inspired by his work. His books include Vivre à l'oblique and Claude Baron Vue par. He designed the French Pavilion for the 1970 Venice Biennale, won the Grand Prix National de l'Architecture in 1979, and became then a member of the Académie des Beaux-Arts in 2005. A very warm welcome to Claude Baron and his manifesto, Paris Noyer, Londres, au fond de la Tamise, quelle architecture. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour. Hello. On va parler un peu d'architecture du futur. We're going to talk about the future, the architecture of the future. Je commence par ma vie, my life. Je commence par ma vie. He's starting with his life. Très court. Very short. Quand j'étais petit, j'avais 27 ans. When he was very young, when he was 27. Je dessinais uniquement des carrés comme ça. He only drew squares. Ouais. Mes maisons, c'était un carré, plus un carré. His houses were one square. Plus un carré. And another square. Le jardin était carré. And another square. Impeccable. It was impeccable. Mais dans le carré, là, j'étais tout seul. But in the middle of the square, he was alone. Donc je me suis dit que le carré, c'était pas la bonne idée pour une maison. Le cube, tout le monde faisait des cubes, il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. So he decided that the square was not the right kind of architecture. Alors, quand j'étais petit, c'était en, j'avais 27 ans, c'était en 52, par exemple. So when he was 27, in 1952. En 64, j'ai dit, ça, c'est pas bon. It's no good. So by 1962, he said, this is no good. Terrifique. Parce qu'on est enfermé. Because you're shut in. Always, tout le temps. Toujours enfermé. Always shut in. Alors, j'ai eu l'idée avec mon copain philosophe de dire, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. So he decided with a philosopher friend that they were no longer going to do squares. Et à ce moment-là, but slopes. La personne qui est là, qui marche, il est libre. And this makes you free. Et il est enfermé, il bute. In the square, you run against the walls. Il bute contre des murs, toujours. Là, il est libre. Il va là, il va là, il va là, he's free. Il va là. Ça s'appelle la fonction oblique. This was called the oblique function. Happened in 64. 1952. So from 52 to 64. Tout le monde a ri. Everyone laughed. Personne n'a cru qu'on pouvait vivre sur des plans inclinés. Personne. Ça a été la plaisanterie.
It was the big joke that no one could live on an oblique shape. De toutes les écoles d'architecture. All the schools of architecture laughed. Sauf Monsieur Olbricht, ici présent. Apart from Hans Ulrich, who didn't. Sauf d'un monsieur qui est à Beaubourg, qui s'appelle Migueroux. And someone at Beaubourg who is... Migueroux. C'est français. C'est français, okay, it's a French name. Et sauf les universités anglo-saxonnes et quelques Italiens. And a few Italians. Comme Bruno Zevi et Bramsey. Ce renversement aurait dû me contenter, me rendre heureux, de dire, bon, ben maintenant, dans les universités américaines, on dit que partout, toujours. This should have made him happy that in American universities, on dit que la continuité, they say that continuity est une chose essentielle, is an essential thing, qu'il ne faut plus compartimenter, which doesn't compartmentalize. On dit que il faut que si l'on construit quelque chose, ça ne crée pas un obstacle. Donc il faut construire dans cette couche-là. You have to construct in a slope so as not to cause obstacles. Pour que si le sol est là, un bonhomme puisse venir jusqu'ici, etc. Bon, vous comprenez? From the ground to the slope. On rend la construction praticable. Construction becomes practicable. Elle n'est plus un obstacle. It's no longer an obstacle. Pour trouver une image basique, au lieu de faire un immeuble comme ça, comme un mur, on fait un immeuble comme un pont. So instead of making a building like a wall, you make it like a bridge. Et on retrouve le langage de la nature, la colline, etc., etc. Which reflects the language of nature. Donc, moi, j'étais très content, je continuais à écrire mes petits livres. Olbricht continuait à me faire des articles dans ses livres, tout allait bien. Mais, so mais he was happy and kept writing books, tout d'un coup, le drame. There was a drama. Et j'ai fait pour venir ici quelques petits dessins qu'on va projeter, qui sont aussi bien valables pour Londres que Paris. Les deux merveilles du monde, les deux plus belles villes du monde. So we're going to see some pictures. En 8 dessins, je vais essayer de vous brosser le drame qu'elles vont vivre, le drame que nous allons tous vivre. We're going to see the drama which is going to happen to us all, particularly in London and Paris. Qui peut se résumer en 2-3 choses. D'abord, la terre. Cultiver, la terre végétalisée se réduit. Agricultural land is being reduced. Elle n'est plus capable de nourrir les hommes en surface. Land can no longer feed us. Deuxièmement, les gens font des enfants de plus en plus. Population is rising. Il paraît que c'est très agréable et qu'on ne pourrait pas vivre tout d'un coup, survivre sans enfants. Which is donc, a good thing. Les Africains font des enfants, les Indiens font des enfants, les Américains font des enfants, et même les Européens qui ont déjà fait beaucoup d'enfants en font encore. Africans and Indians are having children, but so are Europeans. Et je vous signale que la France est championne du monde de la natalité de l'Europe, championne d'Europe de la natalité. And France is top of the list in Europe. C'est pas mal quand même. Voilà, which is impressive. Voilà hein, au moins un truc où les Français sont champions. Something that the French are champions in. Ils perdent le football, tout ce que vous voulez, mais they lose at football. Ils sont champions en enfants. But they can produce children. Donc, l'équation qui va régir le siècle qui est l'objet de ce colloque, l'équation, c'est comment avoir une croissance d'humains sur la Terre, une décroissance de la Terre parce qu'on construit des maisons pour tous ces humains, donc de la Terre cultivable. Ça encore, on pouvait s'en débrouiller, mes confrères font des tours de plus en plus hautes,
bientôt ils auront 5, 6 kilomètres de tour, on peut se débrouiller. Mais ce à quoi on n'avait pas pensé dans l'équation, c'est la montée des eaux. So, alors là, fini. Là, c'est le drame affreux et on va faire quelques petits croquis ou. The population is rising and the water is rising as well and people are building more and more buildings and on va projeter quelques petits croquis très vite pour montrer le drame de Londres et le drame de Paris. To show how this drama is going to affect London and Paris. Comme c'est les deux plus belles villes du monde, c'est là où il y a les gens les plus intelligents et les plus beaux. Because they're the most beautiful cities in the world. C'est d'autant plus dramatique. Lived in by the most intelligent and beautiful people in the world. Alors on peut y aller? Bon. Où ça se projette? Là, bon. Je me déplace. Vous voyez quelque chose, vous? Oui. Vous voyez, bon. Alors, c'est simple. Ici, c'est Paris. This is Paris. Aujourd'hui, avec... L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, et là, le nouvel Arc de Triomphe de la Défense. With various buildings, including the Eiffel Tower. Dans l'an 2000. In the year 2000. Ici, 2250 ici. This ça is fait 2050. Un bond. Mais c'est quand même... Ça va se passer. La mer est montée. The sea is rising. On voit plus que le dernier étage de la Tour Eiffel. Only the top floor of the Eiffel Tower on voit is still juste there. Le petit arc de triomphe un peu, tiny et puis les autres sont sous les eaux. Ici, on est en 2500. That's in alors 2500. Là maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le drapeau de la Tour Eiffel the et flag un bateau. At the top of the Eiffel Tower only. L'arc de triomphe est là et les poissons passent sous l'arc de triomphe. And fish swim through the Arc de Triomphe. Ils adorent ça. They alors on va montrer Londres maintenant pour montrer que c'est la même chose. It's the same thing on in y London. Va. Ben ouais. Voilà. Non. It's no, it's, alors, ça c'est la solution pour Paris. Tant pis. Hein. On verra Londres après. This alors is la the solution, solution for pour Paris, il faut que vous compreniez bien que c'est l'essentiel. Hein. On est en 2000 et quelques. Il faut sauver tout. This is in a few years when we need to save everything. La première idée, c'est de bétonner complètement la ville actuelle. We fill the town voilà. As it is with cement. Il faut que ce soit un objectif mondial, sinon on ne peut pas le réussir. This is a global donc, aim to fill everything réussir, with concrete. Il faut faire venir d'énormes quantités de pierres, de roches, de ciment, de béton, etc. We need lots of cement, lots of concrete et vous bétonnez and rocks. Toute la ville ancienne. And you cover the whole of the old city. Les rues surtout. Surtout les rues. Particularly n'oubliez the roads, pas les rues. The streets. Vous commencez par les rues. You start with the parce streets. Que les rues, au fond, c'est le drame de ces villes nouvelles, c'est de ces villes anciennes. Elles ne marchent plus à cause des rues. Roads donc, no longer work. On commence par bétonner les rues so you et fill après, them in. On bétonne l'intérieur des maisons. Then you fill the insides of houses. On verra qu'on en gardera quelques-unes pour le tourisme subaquatique tout à l'heure. We'll mais keep pour some le moment, for underwater tourism. Vous voyez là, c'est l'Élysée. C'est bétonné, l'Élysée est bétonné. This is the Élysée Palace filled les with étages cement. De la Tour Eiffel aussi. And et the tout Eiffel le Tower. Reste, voilà. Nous faisons rest. Un socle urbain. Ce socle urbain, évidemment, il est au niveau qu'atteindra la mer que je vous ai montré. It creates a basis. Il once est là. It's filled with cement, maintenant, it creates a basis plus. At sea level. L'eau ne peut plus monter davantage. On est à l'étiage. On est au truc... The sea won't rise anymore. Et à ce moment-là, on fait une structure. And then we create a structure. Le deuxième point, donc, c'est de faire une structure sans s'occuper de faire de l'architecture. So we need to create a structure without doing architecture. On prend des architectes, bien sûr, pourquoi pas. On prend des ingénieurs, on prend des peintres, des sculpteurs, sculptors. Des littéraires, tout ce que vous voulez. Literary et on people. Leur dit, faites une structure.
anyone and everyone, and we say to them, sans penser comment on l'habite, make a structure without thinking about it. Simplement comme ça, pour couvrir le territoire. Une structure sans rue. A structure without streets. C'est sans boulevard. Without boulevards. Sans place publique. Without public squares. Comme ça. On déroule ça comme un tapis. Voyez? Like, we roll it out like a carpet. Sur le béton de l'ancienne ville, on construit un tapis. On top of the concrete city. Au-dessus, on végétalise. C'est-à-dire qu'au-dessus de cette structure, au lieu de s'occuper de faire des habitations, on fait végétal. Vous avez vu, il y a une couche verte. And on top of this, we grow plants. Bon, on la verra tout à l'heure. Il y a une couche verte, c'est-à-dire qu'on végétalise tout ce qu'on vient de bétonner. So on top of the concrete, on met une dizaine de mètres de terre. Plants. Toujours sans rien. Et après, vous voyez là, c'est très important. Parce que c'est l'essentiel de la reconquête de la végétation de la planète. This is essential because vegetation bon. Needs to une come fois back onto the qu'on planet. A fait ça, comment on le fait? On achète des machines énormes qui ont 6 étages de haut. Then we et buy on fait dedans. Machines which are 6 stories high. Et on fait dedans, dans cette structure, des incisions. And into des incisions, the structure, des coupures. Des machins. We make mais, incisions. Mais on les fait au gré de notre fantaisie. But we do them at will. On te donne une machine, tu es au volant, après on prend une jeune fille anyone can get a machine. Qui est danseuse quelque part, qui est très sensible, perhaps a dancer. Comme celle qu'on a vue hier, on lui donne le volant, et au gré she gets to drive the machine. De votre plaisir, de votre imaginaire, de votre imagination, vous créez and les nouvelles incisions dans la structure dans laquelle vous allez vivre. Pourquoi c'est important? Parce que ces incisions ne sont pas systématiques, elles sont poétiques. The cuts in the ground mustn't be systematic. Et qu'elles permettent de vivre parce que latéralement apparaît la structure. Et pourquoi c'est important qu'on fasse des incisions après et non pas avant, c'est comme ces incisions vont être extraordinaires au fur et à mesure de notre demande, de notre plaisir, jamais la structure ne sera coupée de la même manière. Donc so, ça va donner aux architectes... Pardon. You make the incisions into the ground in a random way, and they will reveal the structure which has been previously built by the architects and engineers and literary people. Donc, ça va donner aux architectes la possibilité de faire des choses différentes, de laisser aller leur imaginaire comme ils veulent, et d'avoir un spectacle toujours différent sur le plan de ce que les façades veulent dire maintenant, puisqu'on n'aura plus de façades. What will be revealed will always be different, always imaginative. On aura simplement l'interprétation de la rencontre de la structure et de la machine. The incisions will be an interpretation of the encounter between the structure and the machines. On passe à Londres. We're moving on to London. Londres. Quoi, il y a ah ben voilà, alors, je fais Londres, mais c'est pareil. Mais c'est au, so cas the same vous, thing applies in London. C'est au cas où vous n'aurez pas bien compris, alors on répète sur Londres pour montrer que ça, peu importe la ville, voilà so this Londres, could be, this could happen in any city. Voilà Big Ben, voilà la tour de Sir Foster et voilà le Grimshaw. Here's the London Eye. Voilà. Une fois bétonné, concreted over. Voilà, il reste juste un bout de Big Ben. Et un bout de there's a bit of Big Ben bout left. De la tour de Foster. Il reste quand même, il reste quand même que quand tout ça est bétonné, il y a quand même, j'ai oublié de le montrer, je ne sais pas où, il y a quand même Buckingham Palace qui est par là, bétonné aussi. Buckingham Palace will be cemented. Et puis il y a, on gardera le D.S. Downing Street. Downing Street pour que
on puisse, avec des plongeurs, aller voir un peu comment ça se passe là-bas. On gardera des curiosités. Curiosities voilà. will be kept ouais, for, ça, for underwater tourism. Ça, c'est une curiosité, tourism. On la garde. Là, on met ça. Et à ce moment-là, il y a une chose que j'ai oubliée qui est importante, c'est que les deux ou trois grands symboles de Londres, on les garde. Two or three major symbols will be retained. C'est-à-dire qu'on les remonte. And rebuilt. Pour quand même l'histoire. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Because of history. On ne parle que de l'histoire en architecture. Donc on gardera des témoignages. Because history is important in architecture. On remontera la tour de Grimshaw, on remontera Big Ben. Big Ben will be rebuilt. The Gherkin will be rebuilt. Vous voudrez, mais pas beaucoup de choses. Hein. But not very many things. Et à ce moment-là, on pourra commencer à faire la creuser avec nos grands scrapers, à creuser les façades et des incisions urbaines. Pour vous rappeler quelque chose dans le passé, vous pourriez penser à Petra, à la ville de Petra. It will be reminiscent of Petra. Dans la ville de Petra, on croit quand on y va qu'il vivait là-dedans 500 personnes ou 1000 personnes. En réalité, il y avait des dizaines de milliers de personnes thousands dans la ville thousands de Petra. Of people lived in Petra. C'était la ville la plus importante commercialement. It was a major city. C'était pas parce que des gens voulaient se mettre dans des trous. They weren't living in holes. C'était parce que c'était une artère commerciale, c'est par là qu'on relisait. Quand on a fait un court-circuit, on est passé au-delà de Petra, ça a été fini de la ville. Mais c'était une ville qui marchait très bien. Bon. It was a working city. Si j'ai encore du temps, OK, on passe les essaims. Voilà. Pour ne pas avoir l'air de m'en tirer avec trois croquis, j'ai quand même eu la politesse, vu que je m'adressais à un auditoire compétent et culturel, de faire des dessins qui expriment un peu maladroitement tout ce que je viens de raconter. Because I'm addressing an la intellectual, terre not I. actuelle, the country, la première nappe de structure. Here are some more drawings of the structure. La deuxième nappe de structure et la structure à grande dimension avec les tracés des incisions. These are the incisions. J'ai dessiné des incisions classiques, néoclassiques, par exemple. Here are some classical and neoclassical Charles incisions. Pour que Charles James soit content. Voilà, là c'est la nouvelle place de l'Étoile. Enfin, vous voyez, tout ça c'est fait avec les grosses machines. Voilà l'incision type. This is a typical incision. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est le vocabulaire de l'incision type. Alors, pourquoi c'est fait avec des rampes? C'est parce que si vous faites une couche de bâtiment, comme on a vu dans les croquis, de 70 mètres de haut, il ne faut pas y aller avec des ascenseurs, il ne faut pas empiler les plateaux horizontaux, ce qui nous ramènerait dans mon schéma de quand j'étais petit, qui a foiré, qui ne veut plus rien dire. Because et we're making very deep incisions. On est obligé d'avoir donc sur les faces ouvertes de l'incision, the open sides of the incision. Avec le ciel ici, on est obligé d'avoir des obliques. Parce que the sides of the incision have to be oblique. Parce que quand on sera au fond de l'incision, grâce aux obliques, on communiquera très facilement avec la terre végétalisée qui, elle, sera réservée, non pas à mettre des habitations dessus avec leur jardinet, ce qui est complètement criminel à l'époque actuelle. Et on continue, parce que nos ministres ne pensent qu'à ça. Nous, en France, on en est au cinquième ministre qui veut faire des habitations et des jardinets. Il diminue chaque fois le prix, c'est tout ce qu'il fait. Because looking up from the bottom of the incision with the obliques, there will be a communication between the levels and the green surface. On passe les dessins en vitesse. Je n'ai plus de commentaires à faire et puis j'ai plus de minutes à user non plus. We're going quickly Alors, through the drawings. Vous passez les dessins à toute vitesse. C'est des dessins de paysages pour vous donner une idée to give you an idea de ce que ça peut être. Of what it could be like. Et de la liberté d'expression que ça donne. And there's going to be freedom of expression. Allez-y.
On y va. À toute vitesse. Quickly, please. À toute vapeur. Can we go through faster? Ça, c'est quand un architecte est plus tumultueux que this le précédent. This is a more tumultuous architecture. Il faut... Ah, vous voyez bien là, hein? Vous voyez la terre. Ça, il faut que ça ressemble à un éboulement. Voilà le mélange. The earth needs to look like it's tumbling. Les roues. Wheels. Crac. Elles cassent. Breaking through. Je ne sais pas si vous allez être heureux là-dedans. I don't know if you'll be happy living here. Ce n'est pas mon problème. But I don't really care. Mon problème, c'est de résoudre le désastre. I'm just trying to solve the disaster. Et ça, je tiens à dire que si on n'y arrivait pas encore, j'ai une idée, une théorie qui révèle de la décharge. On parle beaucoup de la décharge publique en ce moment. On ne sait pas où mettre nos ordures, etc. Mais ça gagne, c'est quelque chose qui marche très bien, la décharge. Donc je m'étais dit, à la limite, on demandera aux architectes de faire des bouts de ville dans un coin, et puis après on irait décharger l'une contre l'autre ces bouts d'architectes, ces bouts d'architecture, et on fera de magnifiques décharges architecturales dans lesquelles vous trouverez vos nids, vos façons de vivre. They're going to create tips where they will have architects who build within the incisions. J'ai tout dit. That's it.